tout va à travers. Un pour tous, rien ne nous fait peur. Y'a pas de guerre, tous pour un comme frère et sœur. Regarde un carnage, cheese. Unis pour la vie. Regarde un carnage, cheese. Ça c'est ma famille. Génial. Girl, montre-nous ce que tu sais faire. Ok, je vais faire rebondir ce ballon sur mon genou 100 fois. 1, 2... Salut les losers. J'ai décidé de m'incruster à votre pique-nique avec mon meilleur ami Dagobert Detritus Junior. Il vous dit bonjour. Je t'ai volé ton nez, girl. Gherkin, généralement, on accepte tout le monde, mais toi, tu es trop... C'est quoi le mot, déjà? Méchant! Méchant? Mais de quoi vous parlez? Citez-moi une fois où j'ai été méchant! Quand t'as crevé notre ballon, que tu nous as traité de loser et que t'as mis ta chaussette puante sous mon nez! C'est du passé, tout ça! Et c'était pas méchant, c'était juste une blague! Hé, hey, donne-moi ça, toi! Tiens, je t'en ai laissé un peu! Jamais avec quelqu'un d'aussi méchant que toi. Oh, d'accord. Je voulais juste vous taquiner un peu. Ok, j'y vais. Viens, Dagobert. À plus tard. Tu veux un mouchoir, Gherkin? Non, merci. Quelqu'un d'autre veut se moucher? C'est gentil, mais ça ira. Tout va bien? Non, j'en ai trop marre que personne ne m'aime. Je savais pas que les gens me trouvaient aussi méchant. Je veux changer. Tu sais, on peut pas toujours changer sa nature. Cheese a voulu me rendre service un jour. Bah, ça s'est mal terminé. S'il vous plaît, je ferai n'importe quoi. Regardez! Adieu, Dagobert Detritus Junior. Tu étais mon meilleur ami. S'il vous plaît, apprenez-moi à être sympa. T'en penses quoi, girl? Si on refuse de l'aider, c'est nous qui aurons été méchantes avec lui. Bon, d'accord, mais je te préviens, si c'est un piège... C'est pas un piège, promis! Alors, c'est quoi le plan? Ça va pas être une mission facile. Pour réussir, il nous faut la crème de la crème. Notre famille n'a jamais reculé devant aucun défi. Mais celui qui nous attend est sans doute le plus difficile de tous. On vous présente l'opération Gherkin. Mais pourquoi on devrait aider Gherkin? Il est vraiment trop méchant. Justement, Gherkin nous a dit qu'il voulait réellement devenir quelqu'un de bien. Et qui est mieux placé que vous pour l'aider? Vous qui êtes tous super sympas. C'est vrai que je suis sympa, géniale, talentueuse. Et un Gherkin sympa, c'est toujours mieux qu'un Gherkin pénible. Alors d'accord, aider Gherkin, c'est rendre service au monde entier. Salut, yeah. Pour être plus sympa, tu dois apprendre à faire des compliments. Tiens, entraîne-toi avec Pilote Patty Cake. Salut Pilote Patty Cake. J'espère que t'es paré au décollage. Tu es le chien le plus incroyable de toute la Terre, Doug. C'est quoi cette phrase super bizarre que tu viens de dire? C'est un compliment. Ça rend les gens heureux et ça leur fait remuer la queue. C'est bizarre, mais c'est vrai que toi et Boy, vous êtes... Mignon! Gherkin, t'as réussi! Tu vois, tu viens de leur faire un compliment. C'est ça, être sympa. Mais oui, je deviens sympa! Yes! Désolé, c'est sorti tout seul. Pour être plus sympa, il faut aussi que tu rendes service aux autres. Tu peux aider Madame McGuire à porter ses courses, par exemple. Tu penses vraiment que ça va l'aider de renverser ses courses, Gherkin? Ben ouais, parce que le panier est beaucoup plus léger maintenant, donc ça lui rend service, non? Eh bien, pas vraiment, mais c'est l'intention qui compte. Être sympa, c'est aussi faire des cadeaux aux autres. Choisis quelque chose qui me ferait plaisir. Hein?
Et pourquoi t'aurais besoin d'un os? Ben je sais pas, mais si Doug le veut, alors moi aussi. Regardez, je peux même le mordiller comme lui. Yorkin, donne-lui cet os. Voilà. Merci, je vais juste le laver d'abord. Une bonne trentaine de fois. Wow, je lui ai fait un cadeau. Ça fait du bien. Oui, bon bah on va passer à la dernière leçon maintenant, hein. Cheese. Tu sais pourquoi les gens m'adorent, Gherkin? Parce que je suis parfaite. Et pour mon rire aussi, parce qu'il est adorable. À toi. Je vais essayer. Tu sais quoi? Garde plutôt ton rire. Ne fais plus jamais ça. J'ai peur, maman. C'était pas gagné, mais l'opération Gherkin est une réussite. Bien joué, Gherk. J'y serais jamais arrivé sans d'aussi bons coachs pour m'aider. Merci d'avoir cru en moi, les amis. Gherkin, on pense que tu es enfin prêt à participer à notre pique-nique. Oh, c'est vrai. Oh, j'attends ce jour depuis si longtemps. Maman. Oh, toi aussi, tu veux enseigner quelque chose à Gherkin, Kat? Non, cracher des boules de poils, c'est pas sympa. On vient pour le pique-nique et aujourd'hui, on a un invité surprise. Bonjour, bonjour, chers amis. Puis-je me joindre à vous? Ouais, bien sûr. C'est qui, lui? On dirait Gherkin, mais il est beaucoup trop gentil. Ok, tiens-toi bien, c'est le vrai Gherkin. Gherkin? Mais pourquoi vous l'avez invité? Parce qu'il est devenu sympa maintenant, regarde. Tiens, tes habits sont vraiment trop cool. Ils sont tellement plus cool que ceux de Girl. Mais c'est pas gentil ça. Mais je voulais juste, désolé. T'inquiète, t'as raison, c'est vrai que ma tenue est géniale, pas comme celle de Girl. Le prends pas mal, Girl. Détends-toi, Gherkin manque d'entraînement. Hey Chad, regarde un peu, tu vas voir à quel point je suis devenue sympa. Waouh, t'as réparé mon ballon? Cool, tu viens, on joue? Je suis pas très bon en sport, mais je vais faire de mon mieux. Oh non, c'était le seul ballon de foot de toute la ville. Va savoir pourquoi. Désolé, est-ce que vous me pardonnerez si je vous fais goûter mes délicieux cookies? Merci, petit bonhomme. Gherkin, pourquoi est-ce que tes cookies sont super piquants? Je sais pas trop, Girl. J'ai peut-être confondu la farine et le piment. Ah ouais? Pourtant, c'est difficile de confondre les deux. T'es sûr que tu l'as pas fait exprès? Waouh! Mais pourquoi notre pote Gherkin aurait fait ça? T'es pas cool, Girl. T'as raison. Désolée, Gherkin. Bon bah, je crois que nos papilles gustatives sont grillées pour au moins un an. Mais on peut toujours s'amuser. Ouais! Gherkin doit avoir plein de trucs cool à nous montrer. Gherk? Où est-ce que tu vas comme ça? Oh, nulle part! C'est juste que l'air est plus frais par ici. Oh, ça fouette! Là, tu fais comme ça. Ah, ça pique le nez! Il a caché une boule puante. Oh, je le savais! Gherkin nous a encore piégés! Girl, détends-toi. Peut-être que la boule puante était aussi... un accident, j'espère. C'est pas grave, Kejam, parce qu'en fait, Girl a raison! Tu n'as pas changé? C'était un piège! Comment est-ce que t'as pu nous faire ça? Vous l'avez cherché! Comme si j'allais devenir sympa, tout ça pour avoir le droit de pique-niquer avec des losers! J'adore être méchant! Je sais que je devrais...
devrait être en colère. Mais Gherkin nous a appris quelque chose. Quand quelqu'un demande de l'aide, même s'il est méchant, il faut lui tendre la main. Et ça, c'est une belle leçon de vie. On n'a rien appris du tout. Ce sale cafard déloyal nous a piégés et a complètement gâché notre pique-nique. Ma vengeance sera terrible. Je suis d'accord. À notre tour de lui donner une bonne leçon. Coucou, Gherkin. Dis, tu te souviens de ton meilleur ami, Dagobert Détritus Junior? Eh ben, on l'a récupéré pour toi. Dagobert Détritus Junior, j'ai pas pu aller le chercher à cause de votre entraînement stupide. Rendez-le-moi. Le voilà. Dagobert Détritus Junior, elle t'ont lavé. Non, non, pourquoi? Et voilà, je crois que cette fois, il a compris la leçon. Dagobert Détritus Junior. Thank you.